Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Louis Nishmat, Rivka, Bessar, Rachel, Rachel, Batsra, Arabi, Seferim, Benem, Asimcha, Zara, Bad, Mazal, Tov, Shishportish, Adel, Bat, Sol, Tarab, Chaim, Bar, Esther, Lachmi. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, qui s'appelle 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba, Batra, Perek, Vav, Mishnah, Zain. Mishaita, Derech, Rabim, Overet, Betor, Sadehu, Netala, Venatan, Lahem, Minatsad. Mashe Natan, Natan, Veshelo, Lohigio. Derech Hayachid, Arba Amot. Derech Arabim, 16 Ama. Derech Hamelech, En la Shiur. Derech Hakever, En la Shiur. Amahamad, Dayanet Sipori Amro, Bet Arba At Kabin. Première partie de la Mishnah, d'abord une halakha très originale. Vous allez voir. Mishaita derech rabim overet betor sadehu. Celui qui avait un derech rabim, un chemin du public, une voie publique, un sentier qui appartenait au public, qui passait overet, qui passait betor sadehu dans son champ, au milieu de son champ donc, en plein milieu de mon champ, il y avait là-bas un sentier où tous les gens de la ville passaient. Du nord pour aller au sud de mon champ, d'accord ? D'une rue pour aller à l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que ce sentier-là m'a embêté. Qu'est-ce que j'ai fait ? Netala venatan lahem minatsad. Je me le suis approprié. Je l'ai fermé, je l'ai bouché, j'ai mis une barrière. Et à la place, j'ai donné en contrepartie un derech minatsad. Un autre chemin minatsad sur le côté. D'accord ? La situation est claire, la scène est claire. Il y avait un chemin qui passait, un petit sentier qui faisait en plein milieu de mon champ. Ça m'embêtait. Je me suis dit, bon, que ça peut leur faire finalement. Je l'ai fermé et je leur ai ouvert un autre sentier de l'autre côté. Attention, regardez la halakha. Mashe Natan, Natan. Ce qu'il a donné, il l'a donné. C'est très gentil, tu leur as donné un petit sentier sur le côté. Veshe lo, lo igio. Et ce qu'il a voulu s'approprier, il ne se l'est pas approprié. Et on va maintenant se retrouver avec une situation où il aura deux sentiers au milieu de son champ pour les gens de la ville. On explique un petit peu mieux d'abord comment on se retrouve dans une situation. C'est une gemara assez complexe. On va retenir la conclusion apportée dans le Tosfot Yom Tov. Ça sort finalement que c'est pas si étonnant que ça. En tout cas, tout d'abord, comment on se retrouve dans une situation où le public, où il y a une voie publique qui passe au milieu de mon champ. C'est très simple, c'est une halakha qu'il faut faire très attention même. C'est que, à partir du moment où, c'est juste face au public qu'on se tourne dans une situation pareille, à partir du moment où il y a des gens inconnus qui passent systématiquement dans mon champ et font quelques actions pour améliorer le sentier, par exemple ils vont se mettre à défricher quelques petites pousses au milieu, ou bien à cimenter un petit peu, à boucher des trous qui sont là. Donc, on se retrouve maintenant donc avec un public qui est venu, qui s'est approprié un sentier devant moi, et puis moi j'ai vu la scène et je me suis tué, je leur ai donné le petit sentier, ça leur appartient désormais. D'accord ? Metzar shir ziku borabim, asur le kalkelo lagma l'enseigne. Un sentier, ou un metzar c'est une frontière, un sentier que le public s'est approprié en étant marzik, en s'installant dessus, en l'exploitant, assour les calquelos, désormais ça devient interdit de se le prendre. D'accord ? Ça veut dire si vous avez un terrain public que vous avez hérité de l'arrière-grand-mère d'Amérique, et pour le moment vous ne l'exploitez pas, faites attention à ce qu'il n'y ait pas du monde qui rentre, qui commence à entrer, parce que s'ils vont commencer à casser une barrière et à se frayer un petit chemin proprement, et vous savez, ceux qui se sont appropriés, vous taisez, ben vous leur avez fait cadeau du petit sentier, désormais vous ne pourrez plus jamais leur fermer le chemin. Ça c'est la base de la Mishnah. D'abord comment on se retrouve avec un chemin, une voie publique qui passe au milieu de son champ. Ensuite maintenant, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas... Bon, d'accord, je leur ai donné le sentier, ils m'ont eu. Mais pourquoi je ne peux pas au moins le déplacer, le mettre sur le côté? La Gemara enseigne que c'est un knas qu'on a fait, c'est une amende qu'on a fait, que tu ne vas pas te permettre, que tu ne peux pas toi décider à la place du public. Pour quelle raison? D'abord, ce que tu as donné, tu leur as donné parce que c'était de ton plein gré. Donc ce que tu leur as donné maintenant, ça leur appartient. En théorie, ça te revient de reprendre le sentier qu'eux, ils se sont appropriés. Le premier, tu pourrais le prendre.
On a un problème maintenant, c'est que si, face au public, il n'y a personne qui réclame, il n'y a personne à qui parler, et puis pour le moment tu vas juste faire souffrir des gens, il est très fort probable que tu veux leur donner un chemin qui est moins intéressant. Initialement, celui qui habitait là-bas et qui voulait arriver par là, il passait par le champ et ça lui prenait une minute. Maintenant, tu vas lui imposer à passer par l'autre côté et ça va lui prendre deux minutes. Et tu as fait un ézec au abîme. Ils avaient quelque chose qui était très bien et tu leur as donné quelque chose de moins bien. Certes, il y a ceux qui vont habiter de l'autre côté, ça va les arranger qu'il y ait ce nouveau sentier. C'est vrai, la Guimara en parle. Ça va les arranger. Mais ceux qui habitent de l'autre côté, ça va les déranger de faire tout ce tour. De ce fait, ce que tu l'as donné parce que c'était ton plein gré. Mais ce que toi, tu as voulu t'approprier, on ne te le donne pas et tu te retrouves, comme la Gemara le dit, pas ici, mais dans ma Kama, Nimsa kareach miseo mise. Vous connaissez sûrement cette expression. Il s'est retrouvé chauve de ça et de ça. La Gemara, elle exprime quelqu'un qui a voulu danser, manger à tous les râteliers, comme on dit en bon français. La Gemara, elle appelle ça, qui s'est retrouvé chauve des deux et des deux. Elle exprime ça avec une belle métaphore d'un homme qui avait deux femmes, une femme âgée, une femme jeune. La femme âgée, elle lui enlevait les poils noirs. La femme jeune, elle lui enlevait les poils blancs. Et il se retrouvait chauve des poils noirs et des poils blancs. D'accord ? C'est quelqu'un qui a voulu profiter de manger à tous les râteliers. Donc, il se retrouvait sans rien du tout dans la poche. Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, elle est très simple. On va donner des mesures. Vous allez souvent rencontrer dans le chasse des expressions, par exemple, dans tous nos prakim, tous nos chapitres que l'on parle en ce moment, on a parlé de quelqu'un qui avait un chemin, il avait un droit de passage. Un droit de passage, c'est combien de centimètres, de combien de mètres? Alors la Mishnah nous enseigne, Derech hayachid arba amot. Lorsque tu vends à ton ami un sentier à l'intérieur de ton champ, tu le revends un droit de passage, par exemple, ou un sentier. Arba amot, il faut que tu le laisses de large. Arba amot, 4 amot, une ama, c'est plus ou moins 50 cm, ça fait l'équivalent de 2 mètres, plus ou moins, 1,90 m. Donc, arba amot, maintenant, à part ça, lorsque vous verrez que l'on parle de derech harabim, de voie publique, pas ici dans notre Mishnah, mais dans tout le chasse, lorsqu'on va parler dans Yilchot, Shabbat, dans plein de halachot, on va parler de la voie publique. Quelle est la largeur d'une voie publique? Derech harabim, shesh esfam. Dans ce cas-là, ça implique 16 amot, donc 8 mètres. Pour qu'il y ait un derech harabim, par exemple, minatora, pour transgresser l'interdit de Shabbat, il y a plusieurs conditions. C'est pas dès qu'on sort dans la rue le Shabbat que l'on transgresse forcément l'interdit de porter dans la rue. Que l'on sort en portant quelque chose. Il faut nécessairement que le chemin ait... Il y a plusieurs conditions. Une des conditions, c'est qu'il ait au moins une largeur de 16 amot, 8 mètres. Ensuite, dans un autre endroit, vous allez voir, cette fois-ci, des endroits Maseret Sanhedrin, qu'on étudiera bientôt, Bezrat Hashem. Derech HaMelech en la Shiur. La voie du roi, elle n'a aucune limite. La Mishnah dans Sanhedrin explique, lorsqu'un roi, le droit de passage du roi, le roi veut passer de là pour aller là-bas, pour aller faire la guerre, pour entrer à son palais, peu importe. Le roi, lui, c'est pas quelqu'un qui est contraint à faire le tour des pâtés de maison pour pouvoir ensuite partir de l'autre côté. Il y a ici un champ, il casse, mais Meler Poretz Geder, il a le droit de casser la barrière, et il passe en plein milieu, et il sort de l'autre côté, là où il veut. D'accord ? En la Shiur, il n'a aucune mesure, aucune largeur, il fait ce qu'il veut, il passe là où il veut, il ouvre les portes, les barrières qu'il veut, et il prend la largeur qu'il veut pour y passer. D'accord ? Ensuite, Derech HaKever, En la Shiur. Ça, cette fois-ci, on parle du Derech HaKever. Lorsque, dans une oraison funèbre, on veut partir enterrer le mort, alors, le mort, de nouveau, ceux qui portent le brancard, alors ils ne sont pas contraints. Alors eux, ils n'ont pas le droit de casser les barrières, mais ils passent là où ils veulent. Dès qu'ils vont voir un sentier, ils ont le droit d'y penser. Ils vont voir un champ ouvert où ils peuvent passer de là pour aller de l'autre côté. Sinon, ils vont être obligés de faire le tour, par exemple. Et bien, ils ont le droit d'entrer dans le champ. Et même s'ils vont piétiner dedans toutes sortes de plantes, malgré tout, ils n'auront pas besoin de repayer ensuite. C'est un droit qu'on leur a donné. Pour le droit du, pour l'honneur du mort. Mahamad, maintenant le Mahamad, c'est littéralement un Mahamad, ça peut être un rassemblement, c'est une place sur laquelle on se rassemble. Pour faire quoi? On va expliquer tout de suite.
C'est lié encore aux oraisons funèbres, on va expliquer exactement qu'est-ce que c'est. C'est un rassemblement où est-ce qu'on fait des sortes de espédim ou de on présente des condoléances. C'est le Mahamad. Dayane Tzipori Amrou, les juges de Tzipori ont dit Bet Arbaat Kabin. Une taille de Bet Arbaat Kabin. Une taille. On dit d'abord la mesure, je vous expliquerai ensuite pourquoi c'est comme ça. C'est une taille de 33 amot sur 50 amas. D'accord ? Ça fait l'équivalent de 16 mètres sur 25. Une place, donc, une place. De quoi on parle plus précisément ? Il y avait un usage, c'était dans certains endroits à l'époque de la Mishnah déjà, ça s'est perdu un petit peu au fil du temps, là on va le raconter le même, que les Amorim n'avaient plus cet usage-là. Lorsque l'on revenait de l'enterrement, alors on marchait et à 7 reprises, on faisait asseoir tous les endeuillés par terre. Et là-bas, on pleurait le mort, et ensuite on présentait les condoléances, et on se relevait. Il y avait là-bas des chefs, des organisateurs qui disaient « Asseyez-vous, endeuillés !» Et les endeuillés s'asseyaient par terre, et ils se remettaient à pleurer sur leur mort. On présentait les condoléances, on leur disait « Menachamem, tenuchamu !» Et ensuite, ils se relevaient, et ils recommençaient à marcher, et ils se rasseyaient de nouveau comme ça, à 7 reprises, parce qu'il y a dans Kohelet, dans le premier passouk, « Hevel avali mamar Kohelet !» Là-bas, il y a 7 fois le mot « Hevel », donc on faisait 7 fois. La Gemara nous raconte. Et alors, la Mishnah nous enseigne que le Mahamad, donc la place où est-ce qu'on s'installait, c'était une place qui faisait donc ce Bet Arbaat Kabin, cette taille de Bet Arbaat Kabin. On a déjà expliqué les mesures, on a déjà pris un petit peu trop de temps, donc je préfère pas trop rallonger. Pourquoi ? Mais retenez, c'est une place, c'est un champ dans lequel on veut semer une quantité de 4 cabines de blé. Alors, il va faire donc ses 33 sur 100. C'est lié au Khatser HaMishkan, que le Khatser HaMishkan, il s'appelait Bet Sa'ataim, un lieu où est-ce qu'on semait. On pouvait semer Sa'ataim Khitim, d'accord, de 2 CA de blé. C'était l'équivalent, là-bas, la mesure, c'était 100 amas sur 50. Donc, on se retrouve avec 4 cabines qui font le tiers de 2. Donc, ça fait l'équivalent de 33 sur 50. On a, à présent, fini la Mishnah, et donc de quoi on parle quand on parle du Mahamad maintenant? Là, ils n'ont plus le droit de s'approprier, d'utiliser n'importe quelle place pour faire ce Mahamad. On parle juste de quelqu'un qui a vendu, on parle de commerce, quelqu'un qui a vendu en oraison funèbre. Je te vends une place pour faire ce Mahamad, ce rassemblement des endeuillés. Alors, tacitement, le minimum sera une taille de 33 amot sur 50 amas, 16 mètres sur 25. On fait à présent le Bartenora. Celui qui avait un sentier, une voie publique qui passait en plein milieu de son champ. Comment ça se trouve dans une situation pareille? Le Bartenor explique car le rabim, le public, c'est approprié le fait, le droit de passer par là-bas. D'accord? Ce que je vous ai dit qu'il fallait préparer le terrain, faire une petite coulée de béton, améliorer un petit peu le terrain. C'est rapporté dans le Rashbam, c'est rapporté ici dans le Tosafot Yom Tov. Veshalol Oigiyu. Et donc, quand il a voulu troquer un sentier contre l'autre, la Mishnah nous dit, ce que tu l'as donné, mais le tien, tu ne l'as pas récupéré. Pourquoi? Et le partenaire explique, Veyesh la Rabim Shnei Drachim. Et désormais, le public aura Shnei Adrachim, les deux chemins. Dekaimalan, Metzar Shirziku, Borabim, Masson le Kalkelo. Le partenaire vient répondre à cette citoyenne question. Bon, d'accord. Il n'a pas réussi à troquer. Alors qu'il récupère le sien, le chemin, le nouveau sentier qu'il a donné, qu'il le récupère au moins. Le Bartenor nous dit non, parce que celui-là, Metzar Shirziku Borabim, a son lekalkelo, le sentier que le public s'est approprié. Tu n'as pas le droit maintenant désormais de l'abîmer. Peut-être que le Bartenor, il inclut aussi la raison des deux gens. C'est une souga complexe. C'est une souga complexe. Même quand on étudie avec les Rishonim, on a du mal à comprendre pourquoi finalement. Axiom, on l'a donné quand même. Derech Hayachid, le petit sentier du privé, du particulier. Amocher la Chavero, Derech Tor Sadehu, celui qui vend à son ami un sentier dans son champ. Tsech l'étanelo d'alet amot. Il devra, dans ce cas-là, tu vas dire un sentier c'est 4 amot, que je puisse passer là-bas avec, une petite charrette, un petit caddie, quelque chose. C'est 4 amot. Derech Hamelech en Moshio. Ensuite, on a pris. Pour le sentier du roi qui n'a aucune mesure. Pourquoi? Le roi est en droit de casser, de
se frayer un chemin là où il veut, la sotlo derer pour se faire un chemin pour passer lui et même son armée. Derech hakever, le sentier de l'oraison funèbre, shenos in amet le kovro, que donc de quoi on parle exactement? On parle lorsqu'on est en train de porter le brancard, je ne sais pas si c'est dit le brancard, le boréach. Tov en lo shiur, il n'a pas de mesure, d'accord? Bon, ça va me revenir. La boîte noire là, comment ça s'appelle? Bon. C'est pas grave. Takanat chachamim hi mishum yekar nemet. En tout cas, c'est un décret que chachamim ont fait pour l'honneur du mort, de lui laisser le droit de passage n'importe où. Attention, on ne parle pas du cas où ils auront le droit de se frayer un chemin n'importe où en cassant des barrières, comme le roi. Mais uniquement que ceux qui participent à l'oraison funèbre pourront accompagner le mort, l'avor al gabezraim, pour passer sur des plantes. Ils n'auront pas besoin de dévier leur chemin par-ci, par-là. Bet Arbat Kabin, on était donc sur le Mahamad, à Mahamad. De quoi on parle exactement? Il va nous expliquer le bâtonnera. D'abord, il nous donne la mesure. Ushloshim, la fameuse place sur laquelle on fait le rassemblement des endeuillés. Ushloshim Veshalosh Amot, Shnei Tfachim, c'est une taille de 33 amas et 2 Tfachim, d'accord? 33 amas, donc 33 coudées et 2 Tfachim, 2 points, c'est la largeur. Rochav, ça c'est la largeur. Be'orech Hamishim amas, sur une taille de 50 amas. De quoi on parle exactement? Ou Makom Mahamad, ou? C'est quoi cette place du Mahamad, du rassemblement, ou? She'ayu osim shiv'a Mahamadot, ils avaient l'usage de faire 7 rassemblements. Shiva Moshavot, Shiva Mahamadot, Shiva Moshavot, ça m'ensemble. Shiva Mahamadot, la mode, c'est se lever. Donc Shiva Mahamadot, c'est quand on l'élève. Et Shiva Moshavot, et 7 fois au long, s'assoit. D'accord? Donc ils viennent, les endeuillés marchent. Après l'enterrement, on leur dit, asseyez-vous. Après, on leur dit, relevez-vous. Ça, c'est Moshavot et Mahamadot. Kshayu Chozrim Melikvor Amet, lorsqu'ils revenaient de l'enterrement. Keneged Shiva Valim, Shebetrilat Sefer Kohelet. Pourquoi cette fois? Cette fois, par rapport à cette fois où il est marqué le mot Hevel, vanité des vanités. Il y a la fois, là-bas dans Kohelet, au début du livre de Kohelet, l'Ecclésias, il y a marqué cette fois vanité. Le monde, il est éphémère. Et donc, pour le faire ressentir sans endeuillés, on leur dit cette fois, on le fait asseoir cette fois en leur disant ce qu'il faut leur dire. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.